TA. C'est un véritable ouragan qui s'abat sur la France l'été 2000. Elle devient en quelques mois la coqueluche de la variété française du haut de ses 16 ans et parrainée par Mylène Farmer et par Laurent Boutonnat. Merci de l'accueillir, voici Alizée. Dernières années, il y a une chanson en particulier qui t'a marqué ou que tu aimerais reprendre ou que tu as chanté à longueur de journée? Bah, tout à l'heure, lorsque j'étais dans les coulisses, j'ai entendu Full Sentimental. Ouais. Et puis, je me suis dit que j'aimerais bien la reprendre. Bon, bah, peut-être un jour, on ne sait jamais, Alizée qui nous chante du Souchon. Peut-être, on verra bien. Ce sera avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. À tout à l'heure. Dans l'émission, en tout cas, reste avec nous parce que tu as 17 ans, tu as déjà 2 disques d'or à ton actif avec Lolita et puis ensuite l'Alizée. Alors évidemment, tu avais ta place. Tout comme ces jeunes femmes révélées dans les années 90 qui font désormais partie du cercle fermé des disques d'or. Regardez. Alizée.
Dans nos souvenirs. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub.